Les présidents Alassane Ouattara et Goodluck Ebele Jonathan, deux chefs d'État qui se vouent une estime réciproque et qui sont tous deux déterminés à développer un partenariat fort entre leurs deux pays que sont la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Au cours du dîner officiel offert vendredi soir par le président de la République Alassane Ouattara et son épouse au couple présidentiel nigérian au palais présidentiel, des toasts ont été adressés à ce nouveau partenariat entre les deux pays. Le renforcement de la coopération favorisera le décollage économique de la région, a souligné le chef de l'État ivoirien, une vue également partagée par le chef de l'État nigérian. Je me réjouis de notre large convergence de vues quant aux moyens à mettre en œuvre pour intensifier et renforcer le partenariat de type nouveau que nous voulons instaurer. Au regard des énormes potentialités que possèdent nos deux pays, qui sont parmi les principaux pôles d'attraction de la CEDEAO, il est indéniable que le renforcement de notre coopération favorisera le décollage économique de notre espace régional. Monsieur le Président et chers frères, le Nigeria est une grande nation dont la voix porte. Elle nourrit la légitime ambition de jouer un rôle de premier plan sur la scène africaine et internationale. Et cette ambition se justifie parfaitement au vu de ses énormes ressources humaines et matérielles, de la qualité de ses cadres, ainsi qu'au sens des affaires de ses opérateurs économiques. Nous avons confiance dans sa capacité à jouer un rôle positif pour la région, un rôle moteur pour l'Afrique et à relever les défis auxquels le continent africain est toujours confronté en jouant un rôle de leadership. Des distinctions honorifiques ont été décernées au chef de l'État nigérian et à son épouse. Le président de la République, Alassane Ouattara, a remis la médaille de Grand Croix à son homologue. En ce qui concerne les Nigérians, la Côte d'Ivoire est un pays ami, un partenaire avec lequel nous nous sentons à l'aise. Les liens entre nos deux pays viennent de loin. Ce sont des liens historiques. Si la Côte d'Ivoire et le Nigeria travaillent ensemble, nous pourrons changer le visage de notre sous-région. La première dame du Nigeria, Madame Patience Jonathan, a été décorée de la médaille de commandeur de l'ordre national par la grande chancelière Henriette Dagré-Diabaté. A suivi l'échange protocolaire de cadeaux entre les deux couples présidentiels.